Une première vague de libération de prisonniers politiques au Myanmar. Ce vendredi, les autorités ont libéré 21 détenus, dont un ressortissant néo-zélandais du principal centre de détention du pays. À terme, plus d'une centaine de personnes devraient sortir des geôles birmanes de manière progressive. Je ne serai pas vraiment satisfait tant que le gouvernement les libérera séparément. Je veux que tous les militants, prisonniers politiques, étudiants, paysans et ouvriers soient relâchés. Les militants réclament une amnistie générale après cette inflexion du président Thein Sein, premier dirigeant à succéder à la junte militaire en 2011. Mais ils placent désormais leurs espoirs dans la nouvelle ère politique qui s'annonce avec l'arrivée au pouvoir de la Ligue nationale pour la démocratie. Je crois fermement que nos problèmes vont s'améliorer, car notre pays sera désormais placé sous l'autorité de notre mère à tous, Aung San Suu Kyi. Ce sera différent. Le 1er février prochain, le Parlement birman tiendra sa première session issue des élections de novembre dernier. Des députés qui devraient désigner Aung San Suu Kyi à la tête du pays. L'ancienne dissidente assignée à résidence pendant plus de 20 ans par la junte militaire, sortie grande vainqueur du scrutin.